Salut tout le monde, c'est Twip, bienvenue pour le deuxième épisode de Camaroche. Donc aujourd'hui, un épisode assez chargé, on va commencer doucement. On va commencer par parler un petit peu, regarder ce qui s'est passé entre le premier et le second épisode que je vais tourner, enfin que je tourne on va plutôt dire. Donc, depuis la dernière fois j'ai pas fait grand chose, je suis actuellement à 22 597 Kama. Je suis passé bûcheron, c'est on va dire une sorte de solution de facilité quand même. C'est un moyen sûr de nous faire des kamas, donc bûcheron au niveau 7, vous l'avez vu juste avant. Je me suis pas trop attardé sur cette série ces temps-ci, je suis désolé, je pensais pas que ça plairait, en fait j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit, ah, bon, c'est encore un mec qui nous apprend à nous faire des kamas à partir de rien, enfin, c'est pas mal vu et tout. Mais étonnamment non, ça vous a bien plu également, alors bon, j'ai été agréablement surpris, c'est cool. Donc, des gens m'ont demandé également plusieurs questions là-dessus. Fréquence des épisodes, j'avais dit une à deux fois, mais comme vous pouvez le voir, là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste nous faire 10 planches en frêne et on va attaquer notre première astuce Kama avec notre petite base de Kama là, tranquille. Et puis ensuite, eh ben, on se quittera là-dessus histoire d'arriver à peu près à cet épisode à 65 000 Kama en HDV, hein, pas de vente, parce que je pense pas que je vais attendre. Attendre la fin de la vidéo pour avoir tout vendu. On verra déjà comment ça se passe par la suite. Donc bah là on va finir de prendre nos bois. Hein. J'en prends 200 histoire de pouvoir nous faire 10 planches en frêne étant donné que c'est 20 pour une. Si je ne dis pas de conneries. Il me semble bien que c'est ça, voilà. Je me suis pas trompé. Non, parce qu'une fois il m'a semblé que c'était 10, du coup j'étais arrivé tout déçu. Mais voilà, donc comme je l'ai dit, ça fait un petit moment que je suis parvenu sur Joel tout simplement. Je suis passé niveau 13, hein, toujours en full force histoire d'accumuler des pods. Rien de plus compliqué, hein. Surtout pour que ce soit plus pratique. Donc bon, après avec la nouvelle règle des hôtels de vente, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je vais quand même devoir monter ce personnage. Bon, niveau 40, ce serait top. Histoire d'avoir les 40 emplacements en HDV, là maintenant j'en aurai que 13. C'est un petit peu embêtant étant donné que les runes, j'ai tendance à les vendre plutôt par 10 suivant certains serveurs, c'est plus rentable. Et du coup là, c'est vrai que c'est un petit peu emmerdant de savoir que je pourrais en vendre que 130 au maximum. Autant si j'arrive à devenir en particulier, ça me plairait beaucoup parce que sur Alistair, je sais que j'ai été longtemps le fournisseur de runes de certains. Mage, et puis c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose de très cool, hein. J'avais un carnet de commandes bien rempli, avec un carnet de particuliers, et c'était vraiment très sympa cette espèce de petit, on peut même le dire, ce petit jeu de rôle, hein. Mec qui me passe une commande, je lui la remplir, je me faisais des kamas à coup sûr, c'était vraiment très bien. Mais aujourd'hui c'est vrai que beaucoup de monde se font des kamas sur le dos des runes, et puis d'un côté c'est pas plus mal, hein. C'est vraiment... Très... Une fois qu'on a bien compris ce système, c'est vraiment une très belle économie, les runes. Il y a vraiment moyen de taper dans les millions par jour avec ça. Si on connaît bien les runes, etc. Ce qui n'est pas trop mon cas, hein. Vous allez me dire, je sors plein d'astuces dessus, mais je sais que certains calculent tout ça. Moi, je sais que je vois ben, ça, machin, ça donne des résistances. Je sais que ces résistances, elles valent cher, on les brise, et puis voilà. Je calcule pas pour cent combien ça me pourrait faire à peu près. J'essaye, et puis voilà, je regarde si ça me plaît ou pas. Comparé à certains qui cherchent, regardent avec des calculs au pourcent, compliqué quoi. Donc voilà. Mais visiblement, ça vous plaisait bien cette série. Comme je l'ai dit une fois de plus, j'ai vraiment été surpris. Je pensais pas que ça vous plairait. Donc voilà. Et deuxième question, j'ai complètement oublié, hein, changer de sujet comme ça. Donc, ça fait bientôt 2 heures que mon ordinateur est allumé, il me balance ça que maintenant. Bah, merci Avast. Deuxième question. C'était quoi? Ah oui, c'était jusqu'à combien de millions je veux aller? Donc moi, mon but, ce serait d'arriver à 3 millions. Oh merde, j'en ai 199, ah, c'est pas cool ça. Ce serait d'arriver à 3 millions à peu près. Comme ça, bah voilà, à partir de 3 millions, maintenant, vous pouvez battre de vos propres ailes, on peut dire. Enfin moi je le perçois comme ça, hein. Une fois qu'on arrive à 3 millions, c'est qu'on peut arriver à 7, 6, des millions, vous voyez. Comme ça vous pouvez vous débrouiller seul, hein. Cette série est surtout là pour prouver à tous ceux qui pensent que c'est impossible de se faire des karmas maintenant dans le jeu en partant de rien. Que voilà. Après il y a aussi eu le problème des oui mais bon ton compte il est abonné. Oui, bah voilà, écoutez, sincèrement.
Si c'est le genre de problème qui vous pose un problème, allez-y, dépensez une fois, je sais pas, ça vous fait combien, peut-être 2 euros à peu près dans un code audio-tel, et puis c'est réglé, sincèrement. En une fois, c'est bon. Hein. Bon, après, certes, il faut pas prendre ce code audio-tel si vous pouvez le prendre qu'une seule fois et après vous devez dépendre des camas. Faut pas le prendre la semaine où vous aurez blindé de travail à l'école ou de travail tout simplement. Faut le prendre, faut réfléchir un petit peu, puis se dire, ah, ben là, voilà, je pourrais le prendre, j'ai déjà ma petite base de camas, et puis voilà. Faut réfléchir parce que je sais qu'une fois, je sais plus c'est qui m'avait balancé sur mon ancienne chaîne. J'avais fait une série pas vraiment comme ça. Je sais plus c'était trop quoi. Puis le mec m'avait dit oh non, écoute, ça va vraiment pas là. J'arrive pas à me faire des camas. Puis mon abonnement, je pourrais pas jouer pendant, il m'avait dit 4 jours. Bah écoute, je suis con, moi j'ai oublié de les faire les planches. Putain. Le gars, je lui ai dit bah écoute, fallait. Il faut prendre ça quand tu peux jouer. Hein, dans le sens où. Voilà, une fois que vous êtes abonné, le but du jeu, c'est quand même de pouvoir le rester le plus longtemps possible, sans avoir à devoir dépenser chaque semaine 1, 2, 3 euros, je sais pas trop, ça revient à combien chez vous là sur France, ou même ailleurs, qui est encore en euros, qui est en euros plutôt, on va dire, pas que ce soit mal vu. Putain, sale botte à la con. Ouais, donc les prix du coup, je sais pas trop. Comment ils ont évolué sur Joe, je suis pas vraiment revenu, hein. Je suis venu comme ça de temps à autre faire 30 bûches par-ci par-là. C'est vrai que ma priorité c'était de la migration là, hélas, gros souci, il me semblait avoir migré mardi en 17 et quelques là. Ben en fait non, visiblement j'aurais pas migré le mardi 17. Du coup ben je suis obligé d'attendre une semaine en plus. Et pour la dixième, pour la centième vidéo, excusez-moi, je sais pas trop comment ça va se passer parce que là c'est vrai que j'en sors des vidéos, aujourd'hui j'en ai déjà sorti une, celle-ci je la sortirai dans la soirée probablement. Parce que ça fait un moment qu'on me la demande et l'autre c'était une sorte de bonus et j'ai dit que les bonus n'influenceraient pas sur le planning qui d'ailleurs devrait bientôt revenir en nouveau planning. Mais pour le moment voilà. Donc faut que je me calme un petit peu parce que je sais pas trop je suis à combien, je pense 94 vidéos. Et bon, disons que la centième vidéo elle arrivera probablement mardi aux alentours des 19 h quand j'arriverai sur Alistair, comme ça sera débarrassé. Et depuis là, bah, il y aura sûrement juste après ça en papotone, enfin pas le jour même, hein, probablement en papotone avec voilà, donc on va remettre en planning en place, on répondra aux quelques questions, etc. Parce que je pense qu'il y en aura pas mal des petites chose sur ma centième vidéo qui des questions et tout donc je pourrais y répondre tranquillement dans une semaine on devrait y être un tout petit peu plus une semaine et quelques jours donc le prix des planches j'espère qu'il a pas trop chuté ça m'embêterait de devoir aller faire les poubelles même si on a toujours une deuxième possibilité de se faire des camas et c'est à 9999 ça a encore augmenté n'allez pas me demander pourquoi je les mets par 10 alors que ça tout simplement parce que des gens y achètent quand même par 10 donc ça m'embête parce que j'ai envie de les mettre à 10 000 pour pas baisser le prix de l'autre. Mais je suis pressé. On va juste voir si on arrive par hasard. Ce serait quand même excellent. Si on arrive à vendre nos 10 planches en frêne maintenant, ça m'arrangerait. Il faut juste que je me rende avant à l'hôtel de vente des ressources. Étant donné qu'on va crafter aujourd'hui sans anneau ou sans alliance du champ-champ, je sais plus trop c'est quoi. Il faut que je puisse me rendre. À bon tas dans tous les cas, d'ailleurs, on va y aller. On va juste regarder dans la poubelle. Faites toujours les poubelles si vous n'avez pas vraiment de kama. On peut avoir des très belles surprises. Je sais que dernièrement, c'était devant les runes. Il y avait 1900 runes âge. Alors, ça vaut pas grand chose en HDV, mais c'est toujours 1900 kama à coup sûr chez le tavernier, il me semble. Si ça n'a pas changé, du coup, et bah, écoutez, ça a été une très belle surprise. Alors, on va aller à l'hôtel de vente des ressources. Hop, ici même, c'est là. On va regarder donc pavot déjà s'il faut, il faut pas qu'il soit trop cher j'espère pas qu'il a augmenté ouf c'est nickel il est bien là il est bien il est bien et champignon c'est pas mal et épine c'est nickel alors écoutez très bonne surprise ça si je dis pas de conneries c'est pour faire les anneaux du champ champ c'est les feux OR c'est très bien on va aller à l'hôtel de vente des runes à présent. Je vais vous montrer comment on va procéder. Donc le but du jeu ça va être de crafter sans anneau du champ champ ou sans alliance. Ça va dépendre du prix en HDV des runes rares. On va prendre tout ça. Des runes rares, Réfeu, Réo, Réter, Réneutre, je sais plus.
J'avais peut-être oublié. On va aller vite cette poubelle. Toujours faire les poubelles, je l'ai dit. On peut avoir des belles surprises parfois. Acheter. Alors, les surines REER. Ça peut être intéressant. REER neutre. 60 000 avec les REER. Plus intéressant aujourd'hui, on va faire des. Alors, attendez voir si je retrouve. On va faire aujourd'hui. Ce sera des alliances du champ-champ. Donc, il va nous falloir 200 graines de pavot et 100 champignons par 100. Et on devrait obtenir à peu près 90 runes ré neutre, soit à peu près 100 000, enfin 60 000 plus ici, environ 35 000, donc à peu près 100 000 kama pour 26 000 de dépensés, à peu près, c'est ce que j'ai compté. Donc écoutez, moi pour le moment je vais faire les poubelles, je vais essayer de vendre mes planches en frêne, si je les vends 5 000 kama, enfin ça peut être nickel, ça m'étonnerait que quelqu'un me les achète, mais je vais faire les poubelles tranquillou, je vais aller checker un petit moment l'hôtel de vente, enfin où il y a les armes éthérées, forgerons et sculpteurs. Comme ça, si on a une belle surprise comme la dernière fois, eh ben c'est réglé, on peut tout de suite se lancer dans le craft. Et puis sinon, eh ben écoutez, on va devoir patienter. Enfin, pour vous, ça va pas être grand-chose, hein. Ça va être une toute petite ellipse subliminale. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je me permets de reprendre d'à peu près ici. Je vais vous montrer les quelques petits trésors, on peut dire, que j'ai pu trouver. Donc je suis allé en vendre une rapidement histoire de racheter une autre. J'avais juste pas assez. Vous allez voir qu'on aura fait un beau bénéfice aujourd'hui avec ça. Alors elle doit être juste en dessous. C'était niveau 113. Si je me la suis fait taxer, ce serait... Non, elle est toujours là. Donc c'est parfait. Donc également, je voulais juste faire une petite dédicace à Sadi Roche. Donc qui me dit salut Twi, bonjour Sadi Roche, encore un nouvel épisode. Il voulait m'acheter mes bois, mes planches en frêne, mais j'ai dit non. Ce serait un petit peu triché vis-à-vis si je demandais à des abonnés. Donc bon, quand même une dédicace à lui. J'ai d'ailleurs toujours pas vendu mes bois, mais c'est pas important. Il n'y aura pas besoin, étant donné que là j'ai 4 armes éthérées qui sont vraiment pas mal. Donc j'étais à 22 000 kama et quelques. D'ailleurs, on va aller les vendre et puis vous allez tout de suite voir que on se sera fait un beau bénéfice avec celle-ci aujourd'hui. Il y a eu des très belles surprises. 40 000 kama à peu près. Donc je veux juste aller avant regarder à l'hôtel de vente des sculpteurs. Ça va être assez rapide. Donc vraiment pas mal hein, les armes éthérées. Je pensais que ça allait être saigné en quelque sorte quand j'aurais montré rapidement. Genre bah voilà. Ce qui peut être pas mal, c'est de regarder le prix des armes éthérées de temps en temps. Je pensais que beaucoup de monde allait faire ça. Mais visiblement j'ai de la chance de passer au travers des gouttes avec certains items. Bon, dans les arcs, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Non. À partir de là, il n'y a rien dans les baguettes. Non, je pense pas qu'il y aura grand-chose. Voilà, quand il y a 100 km de bénéfice, maintenant je laisse. Hein, c'est plus autant vital qu'avant. Mais bon, dès que commence à avoir 600, 700 km, je commence à me pencher dessus parce que c'est très intéressant au bout d'un moment. Hein. Il faut imaginer si vous arrivez à accumuler 7-8 armes qui ont peut-être 400 de bénéfices à peu près. C'est tout de même assez intéressant lors de la revente. Hein. Dès qu'on accumule un petit peu, c'est toujours très sympa les revenus qu'on arrive à obtenir. Mais là, niveau des bâtons, par contre, elle n'a pas l'air d'avoir grand-chose non plus. Au pire, c'est pas bien grave parce que là, on a assez. Et puis, c'est ce que je disais, hein. Au tout début, c'est le plus long au début. Et puis après, ben, on arrive à se débrouiller. On arrive à se débrouiller tranquillement. Donc là, on commence à arriver à la phase où on peut se débrouiller tranquillement. Sans se répéter trop, hein, bien entendu. Non, à partir de là, je pense pas qu'on va trouver quelque chose. Je dis ça parce qu'à chaque fois... Ah bah voilà. Je dis ça parce qu'à chaque fois, on trouve quelque chose, vous voyez? C'est magique. Hasard ou pas, c'est quand même la troisième fois. Je vais pas tenter une autre fois parce que ça se serait vraiment passé pour un con. De dire qu'on pourrait obtenir encore un petit bénéfice parce qu'à ce level-là, c'est quand même un petit peu impossible, j'ai envie de dire, quand je regarde à partir de là. Les gens ne sont pas dupes quand même. Mais... pas cette fois, je pense. Non. Donc, ah, le canard. Sympa cette arme. Mais pas pour moi. On va aller vendre ça. On va passer bijoutier. Et puis, on va faire nos anneaux.
en toute tranquillité, on va aller les briser. Et puis voilà, 45 000 kamas, c'est vraiment pas mal. Je vais vite prendre le bordel aussi que j'ai récupéré là avant. 40 kamas, ça c'est pas mal. 43, alors attendez que je positionne mes doigts tranquillou parce qu'il y a une technique pour que ça aille plus vite. On va vendre le bois parce que ça prend des potes pour rien. Ça aussi, même si on va en avoir besoin après. On va faire un truc propre, tranquille, directement. Donner l'eau. Je sais plus c'est quel youtubeur, ça m'avait bien fait rire. Enfin, c'était en allemand. Pour ceux qui savent pas, je regarde quasiment que des Allemands. Qui avait fait une vidéo où il avait posté sur à peu près tous les puits possibles de Dofus. Il avait beaucoup de comptes. Enfin, c'était que des comptes non abonnés. Pendant 4 heures, je crois qu'il avait farmé. Il s'était fait 24 000 kamado. Enfin, c'était très sympa, je trouve, ce genre de petit concept. Enfin, il faut avoir du temps devant soi. Mais au final, c'est vrai que c'était comme les tas de patates. Pour ceux qui connaissent à Brakmar, dans la prison à Brakmar, il y a tellement de tas de patates, il avait amené tous ses comptes et tout. Et il avait fait un patate party, je sais plus trop quoi, ça m'avait fait vraiment, vraiment marrer. Alors, bijouterie, c'est pas ici, je suis vraiment con. C'est celle de Astrub. Donc on va vite s'y rendre. Le bois, je le vendrai en HDV. Hein. Je prendrai mon temps. Je prendrai mon temps tranquille. 510 kamas. Ouais, on va payer, c'est pas grave. On va aller à l'hôtel de Vandersource, on va pouvoir réactionner ça. Ce sera plus simple. Donc on va acheter de quoi en faire 100. Je pourrais faire 150 limite, mais c'est plus intéressant d'y revendre par 10 pour certaines. Donc je vais m'en abstenir pour le moment, même si j'ai les kamas. Et je fais tout à l'envers aujourd'hui, je passe devant l'HDV comme un abruti. Les ailes des Scarefoil, elles ont toujours ces prix abusés. Mais oui. Mais oui, ils ont toujours abusé. Non, ça c'est un petit peu trop. Alors on va aller. Non, on avait dit. Putain, épine. Ils sont chiants avec leur accent là. Ouais, bah non, je suis con. J'étais un petit peu intrigué. Alors, recette associée. Nous on a dit anneau du champ-champ. Non, justement, on n'a pas dit anneau du champ-champ. Et vraiment, il faut que je me concentre là. Il faut que je dorme plus. Je vais finir par faire une connerie. Je la sens vraiment. Où est-ce que c'est? Champignon. On va en acheter 100. Voilà. Et pavot, pavot, pavot. Graines de pavot. Non, on va pas prendre le risque de se la jouer malin. Je vais acheter par 10 parce qu'au final, on aura peut-être 1000 kamas de bénéf. Le jour où ça va passer à 2000 kamas les 10, j'aurai l'air bien malin, moi. Donc le prix du pavot est vraiment pas cher. C'est ça qui est cool. Je sais que sur Alistair, en temps, c'était passé 30 000. Bon, le prix des runes était par conséquent plus haut, mais voilà. Là, pour ceux qui se demandent, je regarde vite fait les HDV vu que je suis pas du coin. Ça me fait toujours bien marrer quand je vois certains items. Je sais que parfois nous avons certaines belles surprises, comme je l'ai dit. Hein. Non, ce sera pas pour ici en tout cas. Alors, on va parler à Shiny Things. Apprendre le métier de bijoutier, insister, fermer, lui acheter le sertisseur, acheter vendre, ça sera mieux, je pense. Le sertisseur, on va crafter. Putain, il faut que je l'équipe. Saleté. Excusez-moi pour les gros mots. Je suis tout ému de vous faire cette vidéo et je dis des gros mots. C'est parti pour le craft de 100 alliances du champ champ. C'est parti. À partir de ça, on pourra, et j'ai pas regardé par contre, regardez, enfin, faut qu'on regarde après, le craft, enfin le prix du craft des vaudous, qui sont des amulettes 3 cases, très 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 intéressantes, hein. Vraiment super intéressantes. Vaudou, 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 je vais vous montrer ça tout de suite, hein, vous allez voir. Ces 3 cases, hein, je l'ai montré, on la voit partout, c'est celle-ci là, la vaudou. Avec deux boîtes bombues en une poêle de millimilou et une ficelle de lin. Si le craft revient en dessous des 40 000 kamas, c'est génial. C'est génial, je sais que sur Jiva, oui, les 10 bois de bombues étaient quand même à 8 000. Donc ça me faisait 16 000. Les 100 poêles de millimilou étaient également aux alentours des 8 000. C'était vraiment waouh, génial, génialissime. Et sincèrement, vraiment, vraiment une très bonne surprise. Et allez savoir pourquoi ça remonte. C'est complètement buggé. Pourquoi je peux en crafter? Et attendez, j'ai pas rêvé, il y a eu un bug là.
quoi je peux en recrafter? C'est quoi ce... C'est quoi ces conneries? Si quelqu'un a la réponse à ça, qu'il me le dise, ou est-ce que j'ai eu un problème d'affichage, c'est assez particulier, je dois dire. Ouais, travail à la chaîne. Attendez, je serais intéressé de voir si c'était un simple bug d'affichage ou pas. Ou est-ce une nouveauté? Travail à la chaîne, il va sûrement me le montrer. Confectionner sans objet. Il n'y a pas un truc confectionner 1000 objets ou quelque chose comme ça plutôt? Confectionner 1000 objets. 123, effectivement. Eh ben, c'est quoi ces gros bugs là? Non, attendez, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà dû crafter mes 10 planches. Ouais, sacrément beau bug d'affichage. Celui-là, je l'avais encore jamais eu, sincèrement. Voilà, on découvre de jour en jour la beauté de ce jeu, hein, comme je vous le dis. Et par hasard, ce serait cool qu'on commence à acheter des potions de rappel là. Ça pourrait bien me servir. J'espère qu'on les a à peu près à 3000, 4000 kamas, ce serait cool. 6999. Bon, allez, c'est pour une fois, hein. Après, on les a, c'est bon. Donc, on va placer ça joliment. On va mettre les patates par là, les potions par là, et le sertisseur et tout par là. Et je suis vraiment trop con. Bon, c'est pas grave, on en a 100. On va les sauvegarder un bon tas, c'est le plus simple. Bon tas centre-fil, dernière fois qu'on utilise ce foutu zap. Sauvegarder. Et on se rend directement à l'atelier des forges-mages. Juste en dessous pour briser eh bien, nos petits anneaux. Et normalement, on devrait obtenir à peu près 90 à 80 runes normalement pour 100. Si on a de la chance, hein, des fois on obtient 100, des fois on obtient un petit peu moins. Et il n'y a toujours pas de raccourci pour ça. C'est assez embêtant. Là, on prend souvent du temps. Je sais qu'un temps, je les craftais par 1000 à peu près. C'était très sympa parce qu'il y avait un super gros bénéfice. On se faisait à peu près 700 000 de bénéfices pour 1000. Assez hallucinant. Maintenant, c'est plus le cas du tout, hein. Là, c'est des petits bénéfices comme ça, par-ci, par-là. Mais vraiment très pratique dans ce genre de situation. Et c'était quelque chose de sympa. Mais là maintenant c'est un petit peu moins rentable. Donc on prend moins de plaisir à les briser. Pas comme auparavant. C'était le meilleur moment, vous savez. On venait de dépenser les kamas, on pouvait les recevoir. Là maintenant c'est bon quand on dépense plus grand chose pour en avoir plus grand chose. Du coup le brisage ça devient la chose embarrassante. Hein, mais bon. Il y a des hauts et des bas dans chaque technique. Il n'y a pas de secret. Hein. Même si ça paraît simple. Hop. Allez. Plus que deux fois. Et c'est réglé. Voilà, donc hop, et en plus on gagne un petit succès, donc quelques kamas, petit peu d'XP, on va d'ailleurs monter ça, hop, 5, tac, tac, hop. On va ouvrir les runes, donc je m'attends pas à quelque chose d'énorme, hein, parce que je sais qu'il y a eu une petite baisse, enfin c'est ce que j'ai noté personnellement, entre la 2.14 et la... Non, c'était la 2, je sais plus combien, et 2.14 qu'il y a eu une petite baisse d'obtention des runes. Encore écoutez, encore que ça va. À peu près dans les... Dans les jus, donc les 100 runes neutres, nous on va les vendre par 10, ce sera plus simple. Et réter par 100 également, mais moi je vais plutôt essayer de. Je verrai. Peut-être que je passerai des annonces dans le canal commerce par-ci par-là pour les vendre. Ou est-ce que je les vends maintenant comme ça, je sais pas trop. On aura le temps de toute façon. Moi pour le moment je garde et j'attends de voir si les prix peuvent augmenter. Hein. Comme je l'ai dit, je vais pas toujours vendre avec vous, c'est pas la meilleure chose à faire. Et on va essayer de ne pas oublier cette fois-ci. Je vais regarder rapidement le prix des runes faux. Alors ça c'est une perte de Kama. À coup sûr, et les pas faux, les 100 sont à combien? Ce serait cool. 6000 là, c'est également une bonne perte. Et les runes réperter. Ça me semble être également une assez bonne perte là. Je vais aller voir le prix du bois de bombu, des poils de Millimilou et des ficelles en lin. On va aller voir ça. Et cette alliance c'est quoi? Ne me parle pas beaucoup. Boîte bombu, c'est à combien? 23 000. Non, on va pas regarder plus que ça, je pense pas. Sauf si c'est à peu près à 10 000 les 100 poils de Millimilou et également les ficelles en lin. Là, on pourrait obtenir un truc peut-être assez intéressant. 7 000. Et lin, c'est combien? Écoutez, il y a quand même une rentabilité sur ce point-là. On exploitera ça la prochaine fois. Quelqu'un m'avait demandé également d'aller checker rapido les hôtels de vente les plus communs. Donc si vous voulez voir, je sais pas trop pourquoi vous m'avez demandé ça. Hein. Mettez sur pause si vous voulez.
et objets vivants, je vais vous montrer ça. Qui m'avait demandé à peu près le prix des trucs, ben voilà, c'est cher. Comme sur tous les serveurs. Donc bon écoutez, c'est la fin de ce Camaroche. Moi personnellement je vais essayer de vendre tout ce que j'ai là. Essayer de refaire une ou deux fois la technique des runes. Donc écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois on se retrouvera pour essayer peut-être une ou deux astuces. Je verrai ce qui est encore possible ou envisageable de faire. Regardant le prix des runes, là je suis pas vraiment inspiré sincèrement. Ils sont pas vraiment très très chers, j'ai peut-être pas pris le meilleur serveur, mais je suis sûr qu'on arrivera quand même. Oh putain, ça fait mal, ça franchement ça fait mal. De voir sur Lister, elles sont presque encore à 200, 250 000 les 10 parfois. Et ça je pense c'est... Oh, ça fait mal aussi. Non encore que ça c'est vraiment haut. Enfin bon. Écoutez, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Twip, c'était tout. À bientôt.